Yo les gens, c'est Soro, on se retrouve donc pour ce petit tutoriel sur le farm d'électionneur. Donc j'ai pris pas mal de temps à le réaliser et j'espère qu'il vous plaira, j'espère qu'il sera assez complet pour vous. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est où en trouver, où se situe cet élixir noir et en quelle quantité. A partir de 1000 trophées, vous allez trouver entre 0 et 500 dans les réserves et très rarement des foreuses car peu de HDV8. Ensuite, au-dessus de 1600, vous allez trouver entre 100 et 500 dans les réserves et un petit peu plus de foreuses vu qu'on a un petit peu plus d'HDV8. A partir de 2000, alors là ça commence à devenir intéressant, vous aurez entre 500 et 2000 dans les réserves et très fréquemment des foreuses. Entre 2500 et supérieur, vous aurez entre 1000 et 3000 dans les réserves et tous les villages auront des foreuses. Et au-dessus de 3000, bien entendu, vous aurez entre 1000 et 6000 et tous les villages, absolument tous, auront des foreuses. Maintenant qu'on sait où il se trouve, il va falloir savoir comment le prendre. Et bien tout simplement, il y a deux façons très simple pour pouvoir prendre l'élixir noir, donc la première étant d'envoyer des sorts de foudre sur les réservoirs d'élixir noir plutôt pleins, ou alors d'attaquer les foreuses avec des troupes extérieures. Donc vous voyez par exemple ce petit réservoir plein d'élixir noir traîné, vous allez envoyer vos sorts de foudre dessus et vous piquerez à peu près 1000 ou 1500 si jamais il est plein. La deuxième façon donc, c'est de viser les foreuses, donc quand vous voyez qu'elles sont pleines, et vous allez les attaquer donc avec des archers, des barbares, des géants et autres qui sont généralement placés à l'extérieur pour les foreuses. Une fois que vous aurez récolté l'élixir noir, il va falloir l'économiser et donc le garder. Pour cela, il faudra bien vous défendre. Donc je vais vous dire, le conseil principal c'est de mettre votre élixir noir au centre de votre village, mais attention à ne pas faire comme sur ce village, ne pas mettre votre château de clan trop à l'extérieur, donc atteignable par les troupes ennemies, et votre hôtel de ville, il faut le mettre vraiment à l'extérieur pour que ceux qui ont envie de le prendre n'aient pas peur de le prendre, voilà, c'est tout simple. Une fois qu'on a respecté toutes ces étapes, il va bien falloir savoir quoi en faire de cet élixir noir, et donc je vais vous donner les priorités. Donc le premier truc qu'il va falloir améliorer, c'est vos héros, parce que vous les utiliserez en toutes occasions, et en deuxième vos troupes noires car elles seront utiles pour la suite. Ça c'est mon petit conseil personnel, si jamais vous avez envie d'économiser un tout petit peu plus d'élixir noir, il suffit de former vos troupes d'élixir noir dans vos casernes avant de partir, comme ça elles seront pleines d'élixir noir et ce sera ça en moins dans vos réserves. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour ce petit tutoriel et puis on se reverra pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao tout le monde.